Au Mali, l'opposition politique avait dénoncé samedi dernier au cours d'une rencontre le déficit de communication du camp gouvernemental, mais aussi le projet de modification du code électoral. C'est fort de toutes ces contestations que le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ce jeudi. Une audience qui a duré 3 heures d'horloge. Ça fait très longtemps que nous avons souhaité à l'opposition un dialogue direct avec le chef de l'État sur l'ensemble des problèmes de la nation. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance, nous avons discuté pendant très longtemps, je ne sais pas combien de temps, et nous avons passé en revue l'ensemble des préoccupations, je pense, des Maliens. Que ce soit les aspects liés à la gouvernance, nous n'avons rien occulté, nous avons même parlé des affaires. Nous avons parlé, bien sûr, des accords d'Alger. Nous avons pensé des rumeurs de ce qui sont distillés parfois par vous, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et je crois que nous avons beaucoup échangé. Au menu des discussions, les questions de l'heure telles que l'insécurité, les élections municipales à venir que l'opposition juge inopportunes, mais surtout le projet de modification du code électoral. Le chef de file de l'opposition estime que seul le dialogue pourrait contribuer à aplanir les divergences et sortir le pays de la crise qu'il vit depuis 2012. Le président a dit une phrase qui m'a plu, c'est de dire que nous avons nos contradictions. Nous avons aussi nos divisions. Il faut garder nos contradictions. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Je suis aussi sorti de cette rencontre avec le sentiment qu'il y a peut-être beaucoup d'informations que le président n'a pas forcément de la bonne façon. Je crois que ce déficit est une réalité. Je suis aussi sorti en disant au président qu'il y a un déficit réel de communication de son côté. En attendant, Soumaïla Cissé doit batailler ce vendredi contre l'adoption du nouveau code électoral. Sur 2009 articles figurent plus de 150 amendements. L'autre nouvelle qui ressort de cette audience, c'est le paiement prochain des 500 millions pour le fonctionnement des activités du chef de file de l'opposition.